Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la Playroom, ce nouvel épisode de Moonrise. Donc on clique pour play, pour jouer. Click to play. Le petit loading, toujours avec un... Ah oui, c'est vrai. Hop, merci. Nico Robin, dis donc, c'est... What? Niveau 17, moi je suis niveau 20, ouais d'accord. Pourquoi pas. New, bon, qu'est-ce qu'on a là? Recruter deux soleries, d'accord. Bon, pourquoi pas. Ah oui, Evolve a pot pétale. Oh putain. Pot pétale, bah voilà. Allez, évolue, je sais que t'es moche. Merci. Voilà, oui, je sais. Learn it. Merci. Dégage. J'aimerais juste remplacer ce pot pétale. Est-ce que Shrubel il pouvait évoluer au fait ou pas? Oui, il peut, donc ah, petit moine. Oh là 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 là, et oh. Voilà. Incroyable, sa morphologie a carrément été altérée. Même si on y retrouve quelques caractéristiques familières. Je pense que ça veut dire on dirait carrément le même mais en totalement différent. Togger, je sais pas ce que c'est, donc bon, ils sont plus forts en fait, ce qui est plutôt dans ton, c'est plutôt intéressant pour toi. D'accord. Je ne suis pas une gardienne, mais je suppose que ce serait pas mal si je pouvais avoir un entretien avec ton boss. Go to Kurada Guild Hall. Bon, d'accord. Et puis simplement qu'on ait rien, non. C'est ici. Hop. Allons-y. T'as fini ça plus vite que ce que j'avais imaginé. Un travail assez impressionnant. Bien sûr, être capable de faire évoluer un peu de pétale ne veut pas dire que tu seras capable de... Ah oui, bien sûr, être capable de faire évoluer un peu de pétale ne veut pas dire que tu sais quoi faire une fois que tu l'as fait. Vous voyez, la suite en fait, ce qu'il y a ensuite. Oh! Je suis obligé de me battre avec en plus, non mais allô quoi. Alors, où qu'il est coulé? Trash pétale, wouhou, hâte de Timoine. C'est parti, allons-y, wouhou, trop cool. Il n'y a même pas de personne derrière moi. Bon, écoute. Pas me faire chier. Voilà, ça devrait suffire. Et bah bloque le prochain coup si c'est ce que tu veux faire, mais t'inquiète pas, ça suffira pas. Boum. Voilà. Ça va, t'es content? Je t'ai montré mon trash pétale à la con qui sert avec ton machin qui s'enfuit. Wouhou, Top Moumout, il a gagné un level. C'est tellement moche. Oui, parce que moi, il faut quelque chose qui ait autant de la gueule et... que de la puissance, hein. Voilà, donc de l'XP, de l'argent. Après ce combat, on sait tous les deux... On sait et on comprend mieux le pouvoir... la possibilité que donne le pouvoir... La possibilité d'augmenter le pouvoir de, que donne l'évolution, en fait. La puissance, quoi. L'augmentation de puissance que donne une évolution. D'accord. Vraiment. Juste un petit essai comme ça et vous êtes direct des experts. Oh, il dit de la merde, bref. Il nous insulte. Si vous le dites. Si on veut vraiment comprendre, on devrait peut-être continuer à le faire sur une plus large échelle, pardon, chers amis. Mais de quoi est-ce que vous parlez tous? Oh putain! Oh merde, j'ai pas lu le premier truc, putain, fais chier. D'accord, donc faut que j'aille visiter la Gateway Shop et pour prendre. D'accord, bon, ça c'est pas mal. C'est une quête secondaire, ça peut toujours être intéressant. La taverne, challenge Warden. Challenge Vagabond. Voyons voir ce qu'on peut y faire.
Les jouets, ils sont où? Hop. Hop. Aïe. Aïe. Elle a pris très très cher, c'est pas grave. On prend très très cher, mais ce n'est pas grave. Voilà, Team Haste. Oula, lui est Dizzy, je le renvoie. Boum! Fire Breath! Continuons sur cette lancée, chers amis, et puis on va aller casser la gueule à ce truc-là. Boum! Ça ne servira à rien. Voilà. Comme ça, c'est fait. Dites-moi que ça compte. S'il vous plaît. Est-ce que ce machin est vraiment faible? Hop. What? Bon bah dites-moi que ça compte vraiment. Voilà. C'est pas grave. Voilà, une victoire de canard. Chronland qui gagne un level, c'est génial. Faut l'envoyer dans le prochain combat, tiens, pour la blague. Hop. Oh, lui il est moche. Hop. Hop. Et hop. Boum. Ok, pourquoi pas. Almighty Roar. Ouh, ça fait mal. C'est beau ça. Hop. Aïe. Ok. Parfait, c'est beau ça aussi. Aïe, dommage, il aurait presque pu survivre jusqu'au bout. Bon, faisons les choses bien. Hammer Shot. Allez, boum. Bouffe-le, allez. Voilà, c'est bon. Et le 3. Oh. C'est que ça a l'air sympa, ça. Obsidian Drill. 52 dégâts. Popopo, comme dirait l'autre. 36 secondes. Est-ce que j'ai moins de dégâts et plus longtemps? Bon, l'extract, parce qu'elle est vachement bien cette technique. J'imagine que c'est parce que ça n'a pas marché du tout en fait, c'est ça?
Ah, on a trop de... D'accord, pourquoi pas. Voilà. Ok, pourquoi pas. Donc au niveau des quêtes, j'imagine qu'il fallait qu'ils survivent. Putain! Il faut qu'ils survivent. Oh nom de Dieu. Novice. Allez, c'est parti. On part sur un novice. Puis on va le faire comme ça. C'est ce que j'aurais dû faire depuis le début. Là, là. 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 Voilà. Ça doit faire mal, ça. Pouf! Voilà. Et de 1. Fashion token. Ah bon, bah voilà, on a du bol en plus. Génial. Par contre, vous avez vu que Zadragon a une barre bleue, ça m'inquiète un petit peu. Boum. Et boum. Et de deux. Oui, il a une barre littéralement bleue. Et je viens de gagner une compétence en avec lui. Oh, une compétence de régène. Life Spark. Oh, il peut healer un allié. Oh. Oh. Ça me plaît ça, parce qu'avec Reckless, Fearless Rush, là, voilà. Alors juste pour voir là ce qu'ils disent. Voilà. Voilà. Bien, mais pas bien. Je l'extrais parce que voilà. Ok, encore un petit dernier. On a du bol, on est tombé vraiment sur un truc sympa là avec le, bah, le fashion token. Hop là. Crac. Hop là. Et voilà, problème résolu, chers amis. Crac. Ah oui, c'est vrai. Falloir que je m'en occupe en sortie d'épisode, ce truc-là. Hop. Je pense que je peux dire sans mettre en comment sans être remis en place entre guillemets que je comprends maintenant. Le pouvoir des Solari évolués de Marcus. Et je peux dire de la même manière que j'ai du sable dans mes chaussures. D'accord, ok, ça n'a rien à voir. Pourquoi pas? Bon, vendu. Ah, Marcus, j'ai un truc à faire pour toi. Ah, allez, juste pile. Oh putain, pile au moment où on est en train de... Ouais, on va dire oh putain, parce que voilà, mais. Oh putain, pile au moment où on est en train d'avoir des super aventures. J'ai promis de donner à Yasmine un bash skill item. Donc une technique de bash skill. Enfin une technique de bash, voilà. Mais je n'arrive pas à en trouver ici. Tu devrais pouvoir en trouver. Tu devrais pouvoir trouver un Stone Solari avec bash dans le désert de Dar. Pourquoi pas? Ibli, je viens juste de voir une horde de Kindalouf sortir des Xenari Cavernes. J'ai peur qu'il traverse le désert et attaque la colonie. Ouais, bah en fait, plus rapidement que ce que je pouvais imaginer. Trop rapidement, quoi, en fait. Ah, voilà enfin quelque chose que je veux voir. Cette horde de Kindalouf, je veux dire, pas la colonie est détruite et attaquée. De ce que j'en ai pu en lire, de ce que j'ai pu en lire, enfin, battre certains d'entre eux devrait être suffisant pour pouvoir faire en sorte qu'ils se dispersent et protéger la ville. D'accord, bon, bah, c'est intéressant aussi ça. Mais nous, on avait dit qu'on allait faire. Ah oui, déjà, on va y voir dans Chance, voilà. Fashion Caring, voilà.
C'est parti. Et nous obtenons Leather Vest, Cargo Shorts, Pewter et Cattail. Pourquoi pas? Allons voir quand même, chers amis, après tout. Gear. Non, forcément, je me trompe. Warden, Steel. Voilà. Style. Niveau cheveux, j'en ai pas d'autres. Donc actuellement, j'ai ça. Là, il me propose ça. Ah, elle est sympa. Elle est sympa, mais j'ai pas ce que je voulais niveau couleur. Non, non, clairement pas, non plus. Non plus, surtout pas. Ok, pourquoi pas. Donc non, moi je veux garder ça. Merci. Et au niveau des pantalons, donc j'ai mon jean, j'ai ça qui est très très moche, j'ai ça. Ça qui est le même en une couleur différente, ça qui est le même aussi. Ça qui est assez laid. Et ça qui est très très moche aussi. Peut-être dans d'autres couleurs. Mouais. Au revoir. c'est moche, c'est moche, c'est moche. Où est-ce qu'il est, Marcus? Il est là. D'accord, ok, c'est parfait. Il est toujours aussi beau. On doit donc... En optionnel, nous avions donc... voilà. Voilà. Donc alors, attends, du coup, qu'est-ce que t'as besoin? Donc d'accord, faut qu'on a cherché un pack de... Un petit pack de livres rares dans le shop de Gateway. D'accord, ok. Bon, on va aller faire ça rapidement. Hop. Ok. Alors comme ça, t'es un gardien de la colonie de Kurada. C'est marrant, tu me rappelles quelqu'un qui un gardien qui vivait ici avant. Donc, ces livres vont tous aller à la colonie de Kurada. Je n'ai jamais voyagé sur tout ce trajet moi-même. Par contre, j'ai entendu dire que les gens qui vivaient là-bas étaient vraiment très étranges. Je peux vraiment pas imaginer vivre dans un désert. D'accord, donc on a les bouquins. Maintenant qu'on a les bouquins, on va les rendre. Deliver the book, ok, parfait, parfait, parfait. Merci pour avoir, pour m'avoir ramené ces livres de Gateway, Marcus. Ici, dans les Agarid Barrens, les endroits comme la colonie Kurada sont des maisons temporaires. Qui en fait ne tiennent que aussi longtemps que... en fait, oui, ils restent sur place uniquement tant qu'il y a de quoi extraire de la terre, en fait. J'ai envoyé tout mon argent que je pouvais, tout l'argent qui me restait, je l'ai envoyé à ma famille, qui vit dans une grande maison qu'on s'est donnée de génération en génération, qui s'est donnée de génération en génération. J'y retournerai quand j'aurai enfin accompli ma contribution au futur de la famille. D'accord. Donc en fait, en donnant l'argent, elle s'assure un CD le passage. Enfin, pas un CD le passage. En donnant l'argent, elle passe le flambeau en fait. Elle fait ce qu'elle a à faire pour pouvoir passer son flambeau. Et donc laisser une autre personne venir faire un travail qui aidera la famille. D'accord. C'est assez noble. Eh bien les amis, je pense qu'on va se laisser là, on va peut-être aller regarder directement là-dedans. Ouais, Fashion Token à 150, ça me fait chier. Bon. On va se laisser là. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la pouce-vériser, la commenter, la partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom, dont vous pouvez retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures, salut les gens.